Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, un petit haul action et nose. C'est parti. Bon, franchement, rien de transcendant. Mais bon, pour commencer, j'étais dans le rayon bricolage et j'ai pris ces pipettes pour mélanger la peinture en bois. C'est moins d'un euro. Je crois que c'est 89 ou 84 centimes. Je ne sais plus. C'est en bambou et ça. Je vais m'en servir pour faire des petites étagères, des petits meubles, tout de la miniature, des cadres, enfin je fais plein de trucs avec ça. Et j'en ai pris deux pour tester, couper, faire mes étagères dans mes petites vitrines. Voilà, voilà. Donc je vais tester. J'en ai trouvé, parce que c'est un moment que je cherchais, c'est Fruit qui avait trouvé ça, donc Isacrea. Et dans le mien, dans mon action, il n'y en avait pas. Et là, il y en avait. Enfin, j'y allais essentiellement pour trouver les petites fleurs que je n'ai pas trouvé. Sniff. Par contre, il y a des nouveaux dies. Alors, c'est des dies ronds, comme on avait eu. J'ai pas pris parce que j'aime pas. En fait, non, perso, je n'aime pas. Je dis pas qu'ils sont pas beaux, mais je ne vais pas les utiliser. Donc, acheter pour vous le montrer, non. Donc, c'est les ronds, comme on avait la période de Noël à superposer pour faire des décors. Ils sont arrivés, ils sont tous. Alors, faites attention parce que c'est le même packaging que ceux de Noël, là, enfin, avec l'écureuil et tout ça qu'on a eu à l'époque-là. Donc, faut vraiment regarder. Et il y a des nouveaux designs dessus. Il y en a 6. Moi, il y en avait 6. Et franchement, non, ce truc rond-là, moi, je n'utilise pas. Donc, je ne les ai pas pris. Mais il y en a d'arrivées, donc surveillez, à mon avis, des nouveaux dies. Il y en a même des autres nouveaux qui doivent arriver, c'est des grands, mais ils sont encore pas là. Donc, ceci dit, on va continuer, bah, ça a rien aussi, je vais tester ce petit déo, ça m'a l'air sympa, Pink Passion. Voilà, il me fallait un déo, donc j'ai pris. J'ai repris du double face, le épais, là, le 3D. Voilà, ça vous connaissez le prix, je crois que c'est 50 centimes, je ne sais même pas, j'ai le ticket, mais je ne sais pas le prix. Ensuite, bah ça, j'ai trouvé celui-ci, j'ai retrouvé le timbre et celui-ci pour Isa, ma petite froufroute, les voulez. Et j'ai retrouvé celui-ci, pareil, que je ferai un petit tirage au sort, parce que j'ai vu que quelques abonnés ne les avait pas trouvés, donc j'avais celui-ci et la pellicule photo, donc ces deux-là, je ne sais pas quand je ferai, peut-être quand j'en aurai plusieurs et tout, je ferai un petit lot ou par personne, celles qui veulent ceci, celles qui n'ont pas celle-ci, mettent un commentaire, enfin, je ne sais pas comment je vais faire, mais ça sera, je les offrirai à mes abonnés, donc j'en ai repris un autre, comme ça, voilà, ça fait des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Ensuite, ben, j'ai pris de la pâte à fixe, ben, simplement pour coller des trucs, ça fait pas de traces, pour coller des petits, des trucs, oui, pour coller au mur, voilà, ça fait pas de traces. Donc j'ai pris des pâtes à fixe. J'ai donc au final, j'y allais pour ces nouvelles petites fleurs, mais les petites, je n'ai trouvé que ces deux paquets-là. Et encore, c'était pas dans les fleurs, qui tient un peu partout, parce qu'il y a des petites. Des petits trucs tissus, parce que je vous fais un petit tuto bientôt qui va venir après pour la fête des mamans, et je dans les tons parme comme ça, elles sont, j'aime bien parce qu'en fait elles sont faites, on pourrait les faire, hein. Action faisait les perfos comme ça, je l'ai là parce que justement elle faisait des petites perfos comme ça, fleurs, voilà. Donc ça, hein, c'est facile de faire ces petites fleurs, mais bon, elles ont le mérite d'être faites. Et je dis tant mieux. Donc elles sont toutes mignonnes, elles sont super jolies, les couleurs j'aime bien. Donc voilà. Et je voulais essentiellement, parce que moi j'ai des anciennes versions de fleurs. Celles-là je les ai aussi en ancienne version, mais pas la couleur là. Et j'ai les calques, papier et en feutrine qu'on a trouvé il y a 4 ans, ouais, 4 ans de ça à Action. Donc voilà, j'ai trouvé que ça, je voulais les autres. Bah tant pis. Mais elles sont super jolies. Donc j'espère en retrouver parce que je voudrais faire un petit stock. Voilà, j'ai trouvé que ça en nouveauté. Ensuite, j'ai pris ce ruban-là. Mais j'aime bien celui-là qui part comme ça. Bon, j'en ai des rubans, mais comme ils sont rangés, j'ai pas envie de chercher. J'ai pris que cette couleur-là. J'aurais bien voulu trouver celle-ci en blanc. Il n'y avait pas. Les autres, c'était rose assez soutenu. Donc, j'ai pas voulu. J'ai pris dans ces couleurs-là. C'est plutôt sympa. 1, 2, 3, 4, 5. À 5 mètres. Donc, 5 fois 1 mètre. Bon, c'est assez, hein.
Alors ça, pareil, c'est dans les 80 et quelques centimes d'euros. Ensuite, j'ai repris de la Takiglu, tout simplement pour remettre dans mon éponge colle. Et puis, j'ai retrouvé cette fois-ci, il me fallait un koala. Bon, j'en avais un. Et là, je l'ai retrouvé, parce qu'elles en ont remis des animaux à 99 centimes dans le rayon au fond. Voilà, tout ça pour dans ma mini-vitrine, il me fallait un koala. Voilà. Titi, il est trop mignon. Voilà, voilà, j'ai pris bah, ça. Bah, vous les connaissez tous, ces petites boîtes-là, c'est génial. Pour faire des petits rangements, bah, j'en ai pris trois, il me fallait ça. C'est 60 centimes, je crois, les dimensions-là. Ça, elles sont super, ces petites boîtes, pour faire des rangements. Donc, j'ai pris. Un souhait. J'ai repris dans les glitter drop, mais je ne vais pas m'en servir en drop. Là, j'ai testé, j'aime pas. J'aime pas, mais je vais m'en servir comme pâte de structure. Voilà, simplement avec des pochoirs. L'effet est sympa. Donc voilà, je testerai avec ça. Et là, j'ai pris le gris métallisé et puis le transparent blanc pailleté. Ça peut être sympa à mettre ça sur une petite touche sur les. Mettez ça sur vos petites fleurs, c'est un petit côté glossy, pailleté, sympa. Ça peut être sympa. Donc moi, je vais les utiliser en pâte de structure, voilà, avec des pochoirs. Parce que j'ai testé, ça vaut quand même pas les nouveaux, hein. Faut quand même se le dire, quoi. Et puis l'embout est hyper gros. Non, c'est pas le top. Ou peut-être l'embout plus fin, j'en sais rien. Mais bon, voilà, je vais m'en servir en pâte de texture. C'est pour ça que j'en ai repris, hein, parce que c'est pas mal. Voilà, j'ai pris ceci. J'ai pris ce petit bloc qui n'était pas la dernière fois, mais mon fruit me l'a trouvé. Mais c'est pas grave, j'en aurai plusieurs. C'est extraordinaire. C'est très psychédélique. C'est très, 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 très psychédélique. Mais ça, c'est excellent. J'en ai besoin. Pour mon album, là, pareil, qui est en préparation, je vous montrerai. Oui, je pense que je vous montrerai. Donc, je vais me servir de ces papiers-là aussi. Donc, c'est vibrant. Et les papiers, donc 15-15, et il y a 24 designs, et ils sont en 220 grammes. Alors, c'est génial. C'est plus épais que les anciens 15-15 qu'on avait chez Action. Il y avait tous les autres. Ça, c'est connu, hein, tout le monde les a vus passer. Les marbrés qui sont pas mal, mais j'aime pas le côté foil, donc j'ai pas pris. Mais celui-là, super. Ça, on peut faire des trucs sympas avec ça. J'ai pris ce petit tampon, parce qu'en fait, je prenais pas trop de tampons de chez Action. Et là, ça me donne une petite idée. Voilà, ça, je vous ferai un tuto, comment je vais utiliser ça. Et puis les autres, je peux les utiliser en tampon de fond. Bon, j'aime pas trop les cœurs, mais on chinte là, on peut le couper là, et puis on prend pas les cœurs. En tampon de fond sur l'art journal. Mais c'est surtout celui-ci que je trouve joli. Bah, même les voluptes là, elles font super mémé. Donc ça, c'est moins de 80, 84 centimes, je crois. C'est vrai qu'ils sont pas chers, leurs tampons. Et puis, ils sont assez fins. Moi, j'ai pas été déçue de ceux que j'ai achetés, du peu que j'ai acheté. Et j'aime bien. Donc, j'ai repris celui-ci. Bah, je vous montrerai comment j'utilise. Voilà, 84 centimes. Bon, ça, un basique, hein. Pas pour l'aquarelle. Moi, je m'en sers pas. Je prends du papier aquarelle. Ça, c'est pour faire mes découpes ou alors quand je fais vraiment de la grosse patouille. Pas dans la finesse. Voilà. C'est surtout les découpes. Et puis faire de la patouille. Voilà. De la gel presse, ce truc comme ça. Pour des fonds de cartes ou pour les découpes de matrice. J'ai pris. Ah oui, je le trouvais super sympa. Je me suis pris un planeur parce qu'en fait, j'oublie plein de trucs pour noter mes rendez-vous perso. Bon, j'irai le redécorer. Il est plutôt sympa. Il y en avait plusieurs. J'ai préféré celui-là parce qu'il était bien dispatché par moi. Et je le trouve plutôt sympa. Après, on peut revenir décorer, pas forcément, je trouve joli. Bon, là, voilà, remettre un truc, je trouve sympa. Donc, c'est un planeur. Il y a une petite règle là, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des petites pochettes? Ah, ben, j'ai même pas vu. Il y avait, oh, c'est sympa, il y a même un petit pochoir. Voilà, il y a un petit pochoir, il est plutôt, j'ai même pas vu. Il y a une petite pochette là, il y a encore des petites pochettes là. Ouais, il est plus pour le prix. Il y a des petits stickers. Non, voilà, on peut prendre des notes. Je me suis dit pour mettre dans mon sac. Ça peut être sympa. 3 et quelques. Et franchement, il est très très bien. Les anneaux, après, une fois qu'il est fini, on peut récupérer et se créer moi-même parce que j'ai la perfou qui fait ça. Donc, ouais, je dis ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais comme ça, voilà, je noterai tous mes rendez-vous, tout ça là-dessus.
Et j'ai pris ce petit bloc. Bah, ça, il est connu. Le Adventure is Calling. C'est le seul papier que je me dis que je pourrais utiliser. Pas les montagnes parce que j'aime pas, mais je pourrais, voilà, comme ça, ces cartes-là, je vais pas utiliser forcément. Mais j'utiliserai plus facilement ce côté-là. Voilà. Donc, je vais l'utiliser, je pense, pour un. Peut-être je vais prendre ce papier-là pour mon mini. Pour faire un mini-album que je dois vous montrer en tuto. Voilà. Mini-album, mix média, voilà. Ça, c'est une prochaine vidéo, c'est en préparation. Donc, j'ai pris celui-ci parce que papier action, je n'en ai pas, voire très, très peu. À part la collection automne que j'ai pris, mais celui-là, je le garde pour faire un gros album parce qu'il est plutôt joli. Ça, c'est pour faire un petit mini, je me dis, j'aurai assez. Le restant, ça partira en carte. Faire une carte fête des pères avec ces couleurs-là, pour la fête des papas, ça peut être pas mal. Donc, voilà, j'ai pris tout ceci. Chez Action, bon, voilà, pas grand chose. Les nouvelles fleurs, ben, je vous dis, il n'y en avait plus. Les petites fleurs, j'ai du déçu, mais c'est pas grave, je retrouverai. Hein. Donc, je range. Et puis, du coup, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, je vais passer chez Nose. Ben, pareil, hein, chez Nose, j'ai pas trouvé un petit tri, hein, j'ai pas pris grand chose. Chez Nose, j'ai pas trouvé grand chose non plus, mais bon, j'ai trouvé les petits trucs sympas quand même. Voilà, voilà, donc chez Nose, pour que m'inseille, j'ai trouvé du papier, vous savez, plastique là, enfin plastique, c'est un nom, on va revenir. Il y avait ça, du labobino adhésive, voilà, 2,99, 45 de large sur 3 mètres, effet brique, donc voilà. Je pense faire l'astuce de Kat. J'ai pas recouvri mon tapis de découpe parce qu'il est immense le mien. Et j'ai pas envie de le couvrir. Mais c'est pour faire voilà une surface quand je fais les vidéos. Ça, je suis obligée de mettre un petit papier parce que ça reflète. Il y a trop de lumière. Et j'avais bien aimé son astuce sur les tapis de découpe. Elle met plusieurs coloris de adhésif comme ça. Puis ça lui fait plusieurs. Donc, il n'y a rien de... Voilà. Pour celles qui font les vidéos, je trouve que c'est sympa, son astuce. Ça fait changer de décor, quoi. Donc, j'ai une seule qui me plaisait, chez Nose. Donc, j'ai pris à 2,99€. Donc, ça, vous le verrez certainement prochainement à la place de ce tapis-là. Et quand je fais la patouille, je prendrai ça, évidemment, parce que c'est quand même plus pratique. La plaque en bas. Donc, j'ai trouvé ça à 2,99€. Je vais mettre ça là, parce que j'ai peur de place, du coup. J'ai trouvé, alors il y avait un arrivage de plein de petites boîtes comme ça en bois à 59 centimes. Donc elles sont quand même pas mal grandes. Hein. Elles font 13 cm sur. Elles font 13 cm sur 9,5. Sur 13 cm sur 9,5 et 7 de hauteur. Donc c'est des petits blocs sympas. Et ça, je vais le prendre tout simplement pour le customiser. Puis mettre voilà, des crayons, pas des règles, hein, mais des crayons, ça tient très bien, j'ai testé. Voilà. Bon, après, moi, j'en ai plein, donc ils vont être comme ça. Donc, voilà, entre autres, hein, je vais la customiser pour 59 centimes. J'ai dit, voilà, il fera toujours un petit truc à faire. Pourquoi pas? Je suis ensuite tombée là-dessus. Un agenda, d'ailleurs, 2020-2021. Ouais, oui. Mais alors, la mandragore, là, elle est super. C'est l'agenda... de paroles de sorcière. Dedans, il y a comment dire, des recettes de cuisine. Il y a des comment dire des petits dessins plutôt sympas à venir. Voilà, photocopier. Je l'ai pris plutôt pour les il n'y a pas grand chose là, mais hein, c'est où j'ai vu. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs sympatoches. Voilà, ces trucs-là, on peut récupérer quand on fait un thème. Voilà, quand on fait un thème sur Halloween. Voilà, vous voyez, il y a des trucs comme ça. Il y a des images qui sont sympas. Il y a l'arrosoir là et tout, vous venez la scanner, ça vous fait un joli die cut pour décorer l'ortie, pour décorer une carte ou autre. Je trouvais qu'il y avait des images sympas. Donc j'ai dit j'ai pris pour 99 centimes. Et en plus il y a des recettes, donc pourquoi pas, ça vous donne même les lunes.
Il y a un loup, voilà. Je l'ai trouvé super sympa, tisane. Et pas mal du tout, cet agenda. Bon, périmé, mais... Donc je regarde s'il n'y a pas une autre image de la mandragore là. Elle est trop rigolote. Et voilà, j'ai payé ça 99 centimes. C'est surtout pour les images qu'il y a dedans, le thème qu'il y a dedans. Parce que voilà, c'est pas un thème qui est souvent scrappé. Mais je dis pourquoi pas. Même la feuille là, elle est sympa. Allez, là, l'image de la mandragore, je vais la scaler. Elle est trop mignonne. J'ai dit trop mignonne et trop mignonne, j'adore. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça, 99 centimes. Ça fait du papier pas cher. Bon, alors là. Hein. Rien de scrap, j'ai trouvé ça à nous. Il y en a chez Action, il n'y en avait pas. C'est, voilà, tout simplement quand on sort de la douche qu'on a les cheveux longs. Ça, c'est top, il y en a chez Action. Et là, il n'y en avait pas quand j'y suis allée. Donc, du coup, je suis contente, je suis tombée sur un. Et il est quand même plus épais, mais 1,20€. Ça, c'est sympa. Ensuite, bon, bah là, pareil, on va rester comme ça. J'adore ces trucs-là. Au beurre de cacahuète, ça j'ai pris ma maman. Il y a un arrivage de ça. J'ai pris pour manger. J'ai pris également en M&M's. Je vais caser tout ce qui n'est pas bouffe, je vais mettre ça de côté. Enfin, tout ce qui est bouffe, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Alors, ça, c'est des petites. Voilà, ça fait du bruit. C'est des petites billes. Je vais pas ouvrir ça ici, mais des micro-billes. Alors ça, pour faire des shakers, parce que j'ai vu le haul de MC Création, elle en a trouvé aussi, mais comme elle les met dans ses shakers, mais je me dis ça à coller aussi en multimédia, ça peut être sympa. À 99 centimes, on a un tout gros sachet comme ça. Donc c'est vraiment, c'est même pas des perles, hein, c'est pas des perles de rocaille, c'est des toutes petites, petites boules. Donc j'étais contente d'avoir trouvé ça, et j'y allais surtout pour trouver les œillets, que je n'ai pas trouvé d'ailleurs. Enfin bref, j'ai pris, alors ça c'est un espèce de bolduc, même pas. Ouais, ça doit être ça, un espèce de papier, ça peut être sympa pour finir les tags. La couleur me plaît bien, alors il y en avait de différentes couleurs, ouais c'est même pas du, parce que c'est vraiment effet papier. Donc ils appellent ça paper, bah oui, raffia, c'est du raffia. Voilà, paper raffia, 1,20€, il y a 30 mètres. Alors, j'ai de quoi faire, hein. Mais ça, ça peut être sympa pour terminer les tags ou coller sur des créations. À voir, ça peut être sympa. Toujours dans, il y a un gros arrivage de coton pour faire le macramé en différents grammages. Moi, j'ai pris une bobine à 2,99€, 200 grammes de coton. Ça, c'est toujours bien pratique. Vous savez, pour faire une déco, par exemple, si vous voulez faire une déco très nature, vous en voulez ça ou tout le boîte. J'ai dit, tiens, je vais en prendre. Comme il avait tout un stock, je vais tester. Et si ça me plaît, je reprendrai. Donc, 2,99€ du coton corde en 200 grammes. Et toujours dans les rubans, il y a aussi un petit arrivage de rubans à 79 centimes. Là, c'est l'espèce de ruban. Je ne vais pas ouvrir. Parce que si je peux. Voilà. Comme ça. En lin tissé très fin. Et ça, ça peut être super sympa à coller sur des créations. Donc, c'était 79 centimes et il y a une paire de mètres. 3 centimes. Ah, 10 mètres, parce que 10 yards. À peu près 10 mètres sur 3,8 de large. Donc, comment vous dire, cocher super sympa. Ensuite, je suis retombée sur le vieux arrivage créative expression. Et là, c'est sur le thème de la mer à 1,20€. C'est des chibords. Et bon, peut-être pas les poissons là qui font très très enfantin, mais je me dis les petites étoiles, la pieuvre, la machin, les petites herbes, bon, la baleine, non, les dauphins, non, peut-être le phare, encore la rigueur, si je fais un thème sur la mer, hein, oui, mais ça, non, ça fait trop bébé pour moi. Donc voilà, j'ai dit, je prends 1,20€. Je suis retombée, elle va en avoir assez de ces petites fioles. Et j'ai retrouvé des fioles à moins 60% de 3€. Des fioles en verre, forcément. Non, même pas, c'est du... Ah non, c'est du verre. Voilà, un peu plus grosse, ça fait que j'aurai toutes les tailles. Avec les petits bouchons. Voilà. Et ça, ça peut être sympa, parce que ça, ça peut faire autre chose aussi. Dans une mini-vitrine. Voilà, tout se détourne. Moi, je détourne tout. Et voilà. Sympa, sympa. J'ai comme ça, j'en aurai de cette taille-là. Donc ça, voilà, c'est...
je sais même pas, 1,50€, 1€, 1,10€, 1,20€. J'ai également pris à 79 centimes ce crayon de maquillage blanc. Donc je me suis dit que ça, pour mettre sur l'art journal, hop là, ça peut être sympa. Ouais, ça pourrait le faire. Faire des petites nuances de blanc, ça va le faire. Trop trop bien. 79 centimes. Voilà. Parce que là, moi, j'ai mes vieux crayons de maquillage que je me sers aussi pour l'art journal. Donc, ils sont juste devant parce que ça, je m'en sers souvent. Donc, je me suis dit, un petit blanc, ça peut être bien. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, ben, j'ai trouvé ces petites boîtes. Alors, je me dis, chouette, MC, elle a trouvé plein d'œillets. Parce qu'on en mange une quantité phénoménale d'œillets. Je me dis, j'ai déjà trouvé les boîtes. J'en prends deux. Bon, après, j'en ai arrangé un que j'ai déjà. Et j'ai pas trouvé les œillets, j'en ai trouvé que deux paquets. Et je me dis, j'ai pris les petites boîtes là parce que franchement, c'est top pour ranger tous vos petits œillets. Voilà. Et comme j'en ai déjà rangé, ça va être mieux que de farfouiller dans une grosse boîte et on ne trouve pas la couleur que l'on veut. Donc 79 centimes, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits compartiments. Alors pour des petits œillets, c'est parfait, ou des demi-perles, c'est pas mal. Alors. Et ben non. Ah, en fait, j'ai trouvé que ça. C'est un arrivage d'œillets. Et moi, j'ai trouvé jaune, vert, rose, rouge, bleu, en petit comme ça, blanc, à 59 centimes. Donc voilà, je me suis dit pour ranger. Et j'ai trouvé des attaches parisiennes, mais carrées. Donc en doré et argenté. Ça, c'est original. J'aime bien. Il n'y a pas de dessin dessus, c'est sympa. Voilà, ça peut être sympa. À 59 centimes. Normalement, dans les nos en ce moment, il y a un arrivage d'œillets, mais en forme de cœur, d'étoile. Tout, plein d'œillets de différentes formes, de différentes couleurs, de différents diamètres. Et des attaches parisiennes. Moi, j'en ai eu que ça. Alors, je ne sais pas si l'arrivage, il est arrivé bien avant, mais où il n'y avait que ça. Et je me suis dit, voilà, les boîtes, génial. Bah non, j'ai trouvé que ça. Donc, c'est pas grave, j'en ai déjà trouvé. Je ne vais pas me plaindre. J'ai pris à 99 centimes ces petites boules à facettes. Ah bah, c'est toujours pour mettre dans ma mini vitrine. J'ai trouvé ça trop marrant. J'adore, j'adore. Ça, c'est génial. Ouais, j'ai une petite idée. Bah, forcément, vous verrez tout ça. Je vous expliquerai comment j'ai fait parce que je ne peux pas vous la filmer. C'est une vidéo qui durerait une semaine. Voire même un mois. Mais ça, voilà, c'est pour mettre dans ma petite vitrine. Donc, 99 centimes, ce sont des petites boules disco. Enfin, pour normalement à la base pour décorer les tables, mais je trouvais ça sympa. Ensuite, j'ai trouvé des mains, ouais, ça pareil, vous le verrez dans la petite vitrine. Des mains en plastique, c'est pour créer un personnage, pour créer une poupée en fait. C'est creux comme ça, voilà, c'est excellent. Donc, je vais venir l'éliminer, les terminer, les repeindre. Et je sais pas combien il y a de mains là-dedans, mais une paire, j'ai payé ça 59 centimes. Pour créer des personnages. Je suis trop contente. Surtout des mains. Trop contente. Et dans le même bac là, j'ai trouvé la tête du Père Noël. Alors, ça fait comme des masques. Alors ça, pour faire une création de Noël. Comme j'avais, oh, il y a longtemps, il y a 2 ans, 3 ans de ça, peut-être maintenant, fait une création sur Noël. Comme quoi le Père Noël, on était en pleine période de Covid et de confinement. J'avais bien rigolé quand j'ai fait cette créa là, et j'ai créé carrément le Père Noël moi-même avec la tête du Père Noël. J'ai fait tout, et là j'ai retrouvé ça, c'est génial. Je vais pouvoir me refaire mon petit Père Noël adoré. Voilà, à moins que cette année soit mort le Père Noël, parce que l'année dernière c'était, ah non, il a résisté parce qu'il y a eu la vaccination, et l'année d'avant, bah, du fait qu'on était confinés, et bah, il fallait bien survivre, il a tué les rennes et il les a bouffés, donc il les a mis en vente. Donc là, je ne sais pas l'année prochaine ce que vous aurez pour Noël, je ne sais pas, mais les coriaces, hein. Les coriaces. Bon, il a déjà pu ses rennes, mais ceci dit, c'est super sympa. Si vous voulez créer vos personnages, c'est sympa. Donc, il y avait les pieds, les bottes du Père Noël. Moi, j'ai pris les mains et les masques. Ensuite, hein, j'ai pris... Ah, ça, alors, ça, c'était combien aussi? Pareil, à 59 centimes. Et j'ai pris des petits palmiers. Ah, non, non, oui, je vais vous faire une super créa de cet été, d'été.
Et là, j'ai pris des petits palmiers en bois. Bon, ils sont peints, peu importe, parce que moi, je vais pas, ça m'intéresse pas. La couleur, m'en fous, puisque je vais repeindre dessus. Donc, 75 centimes et je sais pas combien il y en a là-dedans, mais une dizaine de petits palmiers en bois. Donc, c'est des petits embellissements en bois qui sont plutôt sympas. Ensuite, j'ai pris des petits carnets à 1,50€ que je vais venir... Comment c'est dedans? C'est des petits carreaux. Il y en avait aussi avec d'autres, à mon avis, d'autres, des lignes. Moi, j'aime bien les petits carreaux. Et je me dis, pour les customiser, voilà, j'aime bien. J'aime bien customiser les carnets. Donc, j'ai pris 1,50€. Il y en a combien dedans? 1, 2, 3, 4, 5. Le format, il n'y est pas. Le format. 10 cm. Ouais, ça fait 10 sur 14,5. Bon, ça va, c'est sympa. Ensuite, et après on aura fini, j'ai repris ces petits trucs bois carton. C'est qu'on colle, c'est des embellissements. Alors dedans, il y a des tags, il y a des étoiles, il y a des petits flocons, il y a des petits ronds comme ça. Ça a collé en mix média, c'est génial. Il y a des petites voluptes, pardon. Voilà, ça sera collé. Ça sera collé à 99 centimes. Il me restait ça, je dis je le prends. Ensuite, j'ai pris, il y avait un arrivage de scotch super puissant, super collant. Donc voilà, je testerai à 1€. J'ai pris ça pour mettre dans mon dévidoir. Voilà, et puis j'ai trouvé ça. Un anti-cerne à 99 centimes. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas. Je vais tester. Il est plutôt sympa. À voir, c'est dans mes couleurs déjà. Après, je vais tester. Voilà. Et puis, des M&M's au chocolat. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon, je suis un peu déçue. J'aurais voulu vraiment trouver des petites fleurs là. Mais bon, voilà. Un jour, je l'aurai. Donc, voilà mes petits achats de ce jour. Ceci dit, je vous dis à plus. À bientôt. Et voilà. À bientôt. Bye bye.